nous en gueule, l'armée manque de pain nuit et jour, c'est compris? C'est compris, capitaine. Formez-moi plusieurs équipes, payez-moi ça double salaire, mais je veux que ça avance. C'est la guerre, on n'est pas là pour s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la racaille. Anne! 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 C'est ce que tu appelles travailler, toi, dis, hein? C'est ce que tu appelles travailler, espèce de femmelette? Tu gênes les autres! Si vous croyez que c'est facile, faites-le! À moi, les gars! Un! Deux! Allez! Jusqu'au front d'Yaroslav, s'il y a du nouveau, fais-moi prévenir tout de suite. Les colis sont bien partis pour Moscou? Oui, patron. Ah, si les cadeaux de la fiancée n'arrivent pas au truc, je défonce le crâne, hein? Soyez tranquille, patron. J'ai envoyé un courrier avec les paquets, ils seront à Moscou ce soir. Tant mieux pour ton crâne. Allez, hop, filez. Alors, nuit et jour, oui. Sans arrêt, hein? Au revoir, patron. Bon voyage. Opérer dans le coin, refaites les pansements et dire tout, rien dire tout. Batterie! Feu! Chargez! Feu! Qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Qui êtes-vous? Chut. Vous n'avez pas encore la permission de parler. Vous êtes à l'hôpital, à Moscou. Je suis l'infirmière Nathalie. Vous avez déliré pendant 6 jours. Mais maintenant, tout va bien. Vous êtes sûr que je ne rêve pas? Soyez raisonnable. Essayez de dormir. Je viens de me réveiller. Chut, il est tard. Si vous voulez quelque chose, vous sonnerez. C'est vous qui viendrez? Non, je rentre chez moi. Mais quand reviendrez-vous? Demain matin. Sans faute. Je tâcherai. Et maintenant, soyez sage. Vous allez réveiller votre voisin. Oh, je ne dors pas! Messieurs, je vous prie de cesser tout bavardage et de vous endormir immédiatement. À vos ordres. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me présente. Capitaine Polonski. Capitaine Ignatov. Enchanté. J'espère que nous ferons bon ménage. J'en suis sûr. Dites-moi, avant tout, je voudrais savoir une chose. Oui. Qui est l'infirmière Nathalie? Exactement. Eh bien, elle est la fille de feu le général Kovrin. De son vivant, une telle honte n'eût pas été possible. Jamais encore les Kovrin n'avaient vendu leur fille. Ah non, ça jamais. C'est toi qui devrais avoir honte de parler de la sorte. Tu sais ce que ton frère nous a laissé? Une maison hypothéquée, une pension de misère et des dettes. Surtout des dettes. Rien que des dettes. Oui. Alors ma nièce doit épouser cette brute dorée. Il adore Natacha. Il est fou d'elle. Il y a là un homme qui vient de la Volga, de la part de Monsieur Briukov. Qu'il entre. Piotr Petrovitch m'a ordonné de vous apporter ses bonnes salutations. Et aussi des cadeaux pour Nathalie Alexandrovna. Piotr Petrovitch sera lui-même à Moscou dans 3 jours. Très bien, mon brave, merci. Fais dîner ce garçon. Et n'oublie pas le petit verre. Merci beaucoup, madame. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Et c'est comme ça tous les jours. Ah, quel homme! Ah, Natacha. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, mon petit. Bonsoir, maman. Bonsoir. Je suis morte de fatigue. Nous avons 100 blessés de plus que l'effectif normal. Oh, oh, c'est insensé. Si tu continues, c'est toi qu'il faudra soigner. Piotr Petrovitch ne voit pas non plus d'un bon œil que tu t'éreintes à cet hôpital. Oh, que Piotr Petrovitch me laisse en paix. Eh bien, eh bien, eh bien, voilà un temps pour parler de ton fiancé. Tiens, regarde les cadeaux qu'il t'envoie. Ouvre vite. Non, pas ce soir, maman. Je n'en plus. Si vous permettez, je vais me coucher tout de suite. Oui, oui, va, mon petit. Tu as vraiment une pauvre petite figure. Bonne nuit. Repose-toi bien. Bonne nuit. J'ai eu des fiancées radieuses. Je te jure qu'il y a une différence. La maçonnette? Oui, vous pouvez servir. Tout de suite, madame. Viens dîner. Et cesse de grogner. Je tiens autant que toi au bonheur de ma fille. Neuf heures et quart? Non, mais c'est inadmissible! Bonjour! Bonjour, infirmière Natacha! On a bien dormi ici? Dormi? Vous croyez qu'on peut dormir dans cette salle? Ignatov demande l'heure toutes les 5 minutes. Et c'est chaque nuit la même comédie. À 6 heures du matin, il appelle un infirmier et il se fait raser. Et puis il attend. Il attend... 9 heures. Et vous, capitaine? Avez-vous à vous plaindre? Je me plains de ce qui soit 9h15. Que faites-vous de la discipline, infirmière Natacha? Je suis en faute, mon capitaine. Vous prendrez les arrêts de rigueur. Où? Sur cette chaise.
bien mon capitaine. Bonjour. 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 Capitaine Polanski, c'est l'heure de votre pansement. Ah, bien. Un hôpital qui a pour infirmière la fiancée de Brioukov ne doit pas manquer d'argent. Je ne sais comment vous remercier, monsieur Brioukov. Laissez, monsieur le major. J'ai simplement une petite chose à vous demander. Je serais ravi de vous faire plaisir, monsieur Brioukov. Voilà, j'arrive de voyage, je n'ai pas vu ma fiancée. Je voudrais lui faire un petit souper ce soir, une surprise. L'autoriserez-vous à venir demain matin un peu plus tard? Naturellement, cher monsieur. Oui, aimeriez-vous visiter l'hôpital? L'hôpital? Si vous voulez me montrer la salle où travaille l'infirmière Nathalie, et ça, je ne dis pas non. Je vous en prie, cher monsieur. Oh non, capitaine. Ne faites pas cette figure triste. Vous n'êtes plus malade. Vous allez bien. Vous n'êtes plus mort. Alors? Alors, merci. Car sans vous... Oh. Ah si, si, si. C'est à vous que je dois tout ça. Quoi, tout ça? Bien, d'abord d'être vivant, et puis ensuite de trouver la vie belle. Ah oui, ça surtout, c'est grâce à vous. Oh, voilà le délire qui revient. Une visite pour vous, infirmière Nathalie. Je suis trop vite. Chut, deux minutes seulement. Je ne vous dérange pas, un simple bonjour. Vous avez fait bon voyage? J'ai fait vite pour vous voir plus tôt. Monsieur l'officier, je vous souhaite une prompte guérison. L'officier Brioukov vient de faire un don royal à notre hôpital. J'ai cru qu'on en parlait plus. Je vous remercie, vous êtes très bon. Natacha, pour vous, tout ce que je peux, toujours... Bon, je m'excuse. Je vous laisse, je vous verrai ce soir. Il y aura une petite surprise pour mon tour. Monsieur le médecin-chef a bien voulu vous permettre d'arriver demain un peu plus tard. Mais oui, comme vous voudrez. Plus tard demain? Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est un hôpital militaire ici ou une boîte de nuit? Les infirmières doivent arriver à 8 heures. Permettez que je vous explique, mon cher. Je ne demande pas l'explication. Oh, peu agréable avec les visiteurs. Mais je ne vous ai pas invité. Voyons, capitaine. Capitaine Ignatov. Monsieur Brioukov est mon fiancé. Comment? Là. Vous avez compris maintenant. Oui. Oui, je comprends. Je m'excuse, naturellement. Je vous demande pardon, infirmière Nathalie. Mais oui, aucune offense, vous ne pouviez pas savoir. À ce soir, Natacha. Capitaine Ignatov, votre médicament. C'est pas moi qu'il faut soigner, c'est vous! Je vous demande pardon, Nathalie. Je suis une brute! Capitaine, je... Excusez-moi. Et Georges! Hey, quelle heure est-il? Fiche-moi la paix! Je suis malade! Alexandrovna. La petite reine.
À votre voleur. Pour Natasha. Hey! Hey! Elle est la plus belle femme du monde, répondit à la ronde. Mais quelle est la femme au plus doux front, au regard le plus profond. Mais son rire éclaire sa joue comme un bruit doré. Tout le monde la voyant ne peut que l'adorer. Quelle est la plus belle femme du monde, répondit à la ronde. Merci. 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 Natasha! Oh! Natasha n'est pas heureuse? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle des yeux tristes? Il faut voir Natatienka! Merci. Là! Là, je suis content quand Natasha sourit. Encore triste? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire? Ne faites pas attention. Je suis une fille stupide. Oh. Oh, les mains. Oh, mon Dieu, quelle petite main. Moi, j'ai des pattes. Des pattes de Brioukov. Des pattes d'ours. Hop! Et l'ours emporte la petite fille. Il faut boire, mon petit père. Il faut boire. Nous deux. Boire à la vie. À nous, les gars! Hey! Général pour le chef du contre-espionnage, état-major Moscou. Secret. Merci. Donc, bon. Il manquait plus que ça. Le quartier général affirme que l'ennemi est tenu au courant du ravitaillement.
Les avions démolissent les dépôts comme la cible. Appelez-moi Malev. Capitaine Malev, le colonel vous demande. Mon colonel, qui à l'état-major connaît les affectations des dépôts de la 9e armée? Général Molokov. Oui, je sais, mais ensuite. Un seul officier au courant du mouvement complet, mon colonel. C'est le sous-chef du service, lieutenant Petrovski, collaborateur direct du général. Tous les dossiers sont réunis dans son bureau, les pièces secrètes sont enfermées dans son coffre-fort. Alors la question est tranchée. Malev. Vous arrêterez demain matin le lieutenant Petrovski. Bonjour, Sidorchuk. Bonjour, lieutenant Petrovski. Belle journée. Superbe. Malheureux de s'enfermer dans un bureau par un temps pareil. Courrier urgent. Voyons. Encore des réclamations du quartier général. Donne-moi le dossier des dernières livraisons de l'usine d'armes de Toula. Oui, mon lieutenant. Mon lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Le lieutenant Petrovski s'est tué. Comment tué? Vite, vite, interrupteur! Que se passe-t-il? Le lieutenant Petrovski s'est suicidé. Quoi? Petrovski? Mais comment est-ce arrivé? Mon général, pendant que j'étais sorti chercher un dossier. Vite, vite, docteur! C'est fini. Entrez! Qui est-il? Par ordre du contre-espionnage, je viens pour arrêter le lieutenant Petrovski. Petrovski? Le voilà. C'est fait. Il n'a pas parlé. Il n'a pas eu le temps. Quand on est venu pour l'arrêter, il avait déjà perdu la faculté de bavarder. Vous avez de nouvelles instructions? Non, rien pour l'instant. Dès que le successeur du lieutenant Petrovski sera nommé, je prendrai mes décisions. Voilà vos papiers. Merci. Capitaine, tous mes voeux vous accompagnent. Ménagez-vous, observez bien mes prescriptions. Dans 6 mois, à l'expiration de votre congé, je pense qu'on pourra utiliser vos services. Je veux retourner au front, et pas dans 6 mois. Au revoir, monsieur le médecin-chef, et merci de vos bons soins. Je vous en prie, mon cher. Alors, Georges. Ah voilà, j'ai mes papiers, je peux partir. Tout est prêt, mon capitaine. Merci. Je t'appellerai. Alors, Vania, à quand ton tour? Bon, 10, 15 jours. Ils ne voudront pas me renvoyer à l'avant. Je ne suis pas pressé. Enfin, dès que je saurai ce qu'on fait de moi, je te préviendrai. Tu as fait tes adieux? Ah oui. À tout le monde? À tout le monde, oui. Sauf à l'infirmière Nathalie. Ah.
C'est pas commode, hein, mon pauvre vieux? Non. Pas commode. Écoute, Georges. Quoi? Il vaut mieux que tu ne vois pas Natacha. Tu lui feras de la peine. Et à toi aussi. On ne peut rien changer. Alors, je lui expliquerai. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous verrez. Dans un quart d'heure, la piqûre. Et très doucement, n'est-ce pas? Le capitaine Ignatov n'est pas là? Non. Il vient de partir. Il est parti. Sans me dire au revoir? Il ne m'a pas cherché? Ma pauvre chère Natacha. J'ai pensé que ça valait mieux ainsi. Pour lui. Et peut-être aussi pour vous. Pour moi. Voyons, capitaine, vous avez un congé de 6 mois. Ce sont des armes, Excellence. Ah oui? Posez votre canne. Bah, faites quelques pas. Je vous demande pardon, Excellence. Une faiblesse ridicule. Vous êtes un gamin. J'ai 32 ans, Excellence. Oui, 32 ans, à la Croix de Saint-Georges. Et vous êtes outré d'avoir obtenu une permission de convalescence. Oui, Excellence. Vous révolutionnez l'état-major avec vos plaintes contre la commission médicale. Et comme tout cela ne donne rien, vous forcez ma porte, vous entrez sans demander d'audience chez moi, chef d'état-major, pour vous plaindre de l'état-major, de la commission médicale et du monde entier. Oui, Excellence. Eh bien, ça me plaît. Oui, Excellence. Suivez-moi. À vos ordres, Excellence. Le successeur du lieutenant Petrovski est nommé. Qui est-ce? Capitaine Ignatov, 2e régiment d'artillerie de campagne. Capitaine Ignatov? Capitaine Ignatov? Bonjour, mon capitaine. Ah, bonjour, lieutenant. Voici le courrier urgent. Hein? Le général attire votre attention sur cette lettre. La 6e armée se plaint que les farines arrivent moisies. Mais quels sont les prochains envois de farine? Ceux de Bryukov. C'est lui qui fournit presque tout. Bryukov? Bryukov. Prévenez l'intendance et dites qu'on m'envoie un expert. Bien, mon capitaine. Sivertchuk. Mon capitaine. Apporte-moi le dossier Bryukov. Et spécialement ce qui concerne la 6e armée. Oui, mon capitaine. Entrez. Je m'excuse de vous déranger, capitaine. Madame a une importante déclaration à vous faire. Oui, c'est bien ça. La fenêtre était ouverte, c'est ainsi que j'ai pu voir. Voir? Voir quoi, madame? Madame a vu la mort du lieutenant Petrovski. La mort? Voulez-vous recueillir vous-même la déposition du témoin? Entendu, capitaine. Capitaine? Asseyez-vous, madame. On peut fumer? Ah, mais certainement. Merci. Tout est tellement singulier ici, tellement militaire. C'est un état-major, madame. Votre nom? Anna Sabline.
Votre domicile? L'hôtel national en face. J'y suis descendu en attendant que mon appartement soit prêt. Parfait. Eh bien, je vous écoute, madame. J'habite le deuxième étage de l'hôtel. Vous voyez que nous sommes voisins. En effet. Eh bien, le jour, le fameux jour, ma fenêtre était ouverte, la vôtre aussi. Stupidement, j'ai vu un homme tirer un coup de revolver sur un autre homme. Et puis, il a jeté son arme. Aussitôt, la chambre a été pleine de gens en uniforme. Un instant, je vous en prie. Ensuite? C'est tout. J'ai réfléchi pendant quelques jours et j'ai pensé que cette chose pouvait être de quelque intérêt pour vous, alors je suis venue. Ai-je bien fait? Vous nous rendez un grand service, madame. Et dites-moi, comment était cet homme, celui qui a tiré? Grand et mince, il m'a semblé. Mais la chose s'est passée si vite. Eh bien, je vous remercie, madame. J'aurai sans doute besoin de nouveau de votre témoignage. Mais à votre disposition, capitaine. Et même si ce témoignage, vous voulez le venir recueillir chez moi, nous sommes voisins, n'oubliez pas. Je ne l'oublie pas, madame. Terminé pour midi. Combien un peu tes hommes? Combien de wagons pleins? 57. Et vide? 68. Ne reste pas là comme une femme enceinte. Ivan Ivanovitch, si tout est terminé pour midi, une tournée de vodka à la Boyokov? Entendu, Piotr Petrovitch. Patron, les affichés, vous j'attends. Bien, j'y vais. Et la communication téléphonique pour l'hôpital, tu l'as obtenue? Sokolov est à l'appareil. Bien. Capitaine Ignatov. Ryokov. Lieutenant Kinski. Ryokov. Monsieur Kodov de l'intendance. Ah, ça, mais nous connaissons déjà. Mais vous aussi, je vous ai rencontré, je vous ai déjà vu quelque part. À l'hôpital. Oui, votre fiancé me soignait. Mais oui, vous m'avez assez mal reçu d'ailleurs. Voilà, pas tous les gens ont envie de rigoler, ça arrive à tout le monde, ça. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Tout de suite, mademoiselle. Nathalie Alexandrovna est à l'appareil. Ça vous permettez? Faites donc. Alors, oui, Natacha. Je vous dérange. C'était pour vous prévenir que j'ai envoyé la voiture. Oui, le cocher vous attendra à la grande porte de l'hôpital. Oui. Moi, je serai au restaurant dans un quart d'heure, alors... Oh, ben, bien sûr, je suis content de vous voir, oui. À bientôt, Natachenka. Oui. Alors, messieurs. Nous venons vérifier la farine que vous envoyez au front. Comment vérifier? Mais la marchandise a déjà été acceptée par la commission. Deux acceptations valent mieux qu'une. Faites-nous apporter un sac de l'envoi en chargement. Ça peut vous faire plaisir. Un sac. Tout de suite. C'est n'importe lequel. Alors, je ne comprends rien à cette histoire, moi. Trop cela. Ouvrez. Votre avis, messieurs? La farine est humide. Ça a moisi avant d'être arrivé. Je ne l'ai pas arrosé, moi, je vous la donne telle que je la reçois. Vous n'avez qu'à être plus exigeant.
Messieurs, vous allez faire ouvrir une vingtaine de sacs au hasard, et si la qualité laisse à désirer, vous refuserez tout l'envoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous me contrôlez comme un gamin? Vous n'avez qu'à ne pas envoyer de la saleté aux troupes. Ce que vous faites est ignoble. Ne criez pas, monsieur l'officier, je ne suis pas un de vos hommes. C'est pour mes hommes que je crie. En exécutant les ordres de monsieur le capitaine, dis-moi, tu vas aller à l'hôpital pour les Natalia Alexandrovna, tu lui diras que je ne déjeune pas aujourd'hui, pas je la verrai ce soir. Allez, oui, ouste. Tout de suite, Pietrovitch. Merci, capitaine. Vous salue. Je suis à votre disposition, messieurs. Camille Nathalie, on vous demande en bas. Merci, je sais. Je viens tout de suite. Vous, ici? Je viens vous parler. Comment? C'est vous qui m'avez fait demander? Oui. Voulez-vous accepter de déjeuner avec moi? Je suis invitée. Sinon, vous auriez accepté? Je ne sais pas. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Nous pouvons faire quelques pas dans le jardin. Si vous voulez. Ma gorge puis sa foi. Il s'étourdit, cher chanvin. L'écho des mots divins. Trouver plus décevant qu'un peu de vent. Au vin de rêve en rêve, mais tous sont à rêver. Dès qu'un roman s'achève, un autre est là. Pareil, au matin sa jeunesse, hélas, au jour avec sa foi, croyant aimé sans cesse, on aime. Pourquoi êtes-vous parti sans me dire adieu? Vous vouliez me voir? Vous m'avez cherché? Non. Mademoiselle Natacha! Mademoiselle Natacha! Je vous demande pardon, mademoiselle. Piotr Petrovitch vous envoie mille excuses. On est venu le voir de l'état-major. Il ne pourra pas déjeuner avec vous. Il vous verra ce soir. Merci. Mes respects, mademoiselle. Maintenant. Vous pourriez peut-être déjeuner avec moi? Merci, capitaine. Non, je déjeunerai ici. Natacha, vous êtes décidée à épouser cet homme? Vous êtes venue pour un interrogatoire? Non, je voulais savoir si vous serez vraiment heureuse de devenir sa femme. Natacha, vous aimez Brioukov? Qui? Qu'est-ce que tu dis? Répète, fils de chien! Le capitaine qui est venu tout à l'heure. Tu l'as vu? Avec Natacha? Oui, patron. Vous m'avez appelé, maman? Oui, assieds-toi, j'ai à te parler. Qu'est-ce qui se passe avec ton fiancé? Tu refuses de le recevoir? Tu le fais attendre plusieurs jours pour échanger trois phrases avec lui? Je suis occupée à l'hôpital. Et l'hôpital passe après ton mari? Quoi, vous serez mariés dans trois semaines? Je ne te comprends pas. Voilà un homme qui t'adore, qui te gâte comme une reine. Je ne demande rien. Allons, allons, ne fais pas la petite sotte. Il a payé toutes nos dettes. Il a remboursé l'hypothèque de la maison.
Ils mettent tout à ton nom. Ils s'ingénient à te faire plaisir et voilà comment tu le remercies. Je vais dans ma chambre. Maman. Attends. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un officier que j'ai soigné. Où as-tu trouvé ces photos? Dans ta chambre. En mettant de l'ordre. Tu as osé? Oui, j'ai osé. Ces photos n'ont rien à faire dans la maison d'une fiancée. Te défends! Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu sais, je suis ruinement content de t'avoir retrouvé. C'est moi qui t'ai retrouvé. Oui. J'avais fallu compter sur toi. Allez, allez, m'engueule pas, quoi. J'avais des tas de choses à faire. Oui. Et puis... Bah, du vague à l'âme. Oh, du vague à l'âme. Alors, à ton âme. Trois mois que j'avais pas vu. Oui. Tu sais, c'est la première fois que je marche sans canne. La première fois? Oui. Alors, à ta santé. Sans blague, tu sais, je me trouvais si bien à l'hôpital. Que j'y serais resté. Mmh. Mais va te faire fiche. La commission est arrivée et allez, 5 mois de convalescence. Ah ben, tu vas te balader? Penses-tu? Je me suis débrouillé. Je suis au contre-espionnage. Un drôle de truc, tu sais. Contre-espionnage? Eh ben, buvons au contre-espionnage. Là, tu ne crois pas que tu bois trop de choses? Du vin? J'ai fait un malheur. Une main d'huit coups. J'ai épuisé le sabot. On joue ici? On en a tout l'air. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Allons voir ça. Vous entendez? Une main de 8 coups à la rose. Vous laissez le 600 roubles et la banque. Banco. Banco. 6. 7. 7. 1200 roubles et la banque. 500. 500. 600. 1100. Il reste 100 roubles. 100 roubles. Complet. Les cartes. 9. Bon pour la table. Voilà. Bravo, Ignato. 1500 roubles à la banque. Banco. 500. Servi. 7. 3000 à la banque. 1000. 800. 700. 300. Encore 200. 200. C'est fait. 3000 à la banque. 7. 9. 4. 4. 9. Bon pour la table. Tu vas devenir millionnaire. C'est mon jour, tu vois. Madame, excusez-moi. Vous avez oublié vos fleurs. Elles ne sont pas à moi, monsieur. C'est dommage, car elles me plaisent beaucoup. Ce sont des choses qui arrivent, ça, madame. Vous non plus, vous n'êtes pas à moi. Et vous me plaisez infiniment. Oh, monsieur. Voulez-vous venir au restaurant? Nous aurons au moins de la musique. 6800 roubles au banco. Je le donne. Banco. Carte. 7. 4. Suivi. Monsieur le capitaine ne le donne pas. Hein? Manque d'audace. Neuf. 3. Bon pour la table. J'ai laissé le tout. Un banco de 13 600 roubles. La revanche, monsieur le capitaine? Non. Banco! Toi? Huit! Neuf! Ah,
Tu auras toujours de la veine. T'es de l'âge, tiens le coup. Un banco de 27 200 roubles. Capitaine. Merci. Dis donc, je rentre. Affaire urgente. Tu as de l'argent? Il me reste 300 roubles, veux-tu la moitié? On peut faire, encore 6 000. 2 000. 4. C'est fait. 6. Une fine. Il y a 54 400 roubles au banco. Vous le donnez, monsieur? Est-ce que j'ai une gueule à passer la main, moi? 54 400 roubles. Qui dit banco? Monsieur le capitaine, ça ne vous dit rien, ça? Merci. D'habitude, vous êtes entreprenant. Trop entreprenant. Ici, c'est plus difficile, hein? Banco! Naf. Trois. La banque a gagné. Capitaine. Je vais vous signer un... Oh, signer. Vous plaisantez. Un officier. Merci, monsieur. Ouais. Vous avez perdu sur parole. J'ai confiance. Vous avez 72 heures, hein? Bonne nuit. Capitaine Ignatov. Quoi? Vous, madame? Moi. Excusez-moi. N'avez pas honte? Un officier d'état-major, perdre une somme pareille contre un fournisseur de l'armée? T'es sur parole encore. Oui. Oui, je sais. Cognac! On vous regarde. Allons ailleurs. Allons. Thank you.
qu'est-ce qui vous a pris? 72 heures pour payer. Et 72 heures. Et après? Vous êtes un enfant. Un enfant stupide. Oui, je sais. Vous êtes bonne avec moi. Et douce. Mais nous vous connaissons à peine. Moi, du moins, je me souviens de votre nom. Moi aussi, Madame Sabline. Ah, tout de même. On a de la mémoire au moment de mourir. Et encore 71 heures, 18 minutes. Et vous ne savez pas où trouver l'argent. 50 000 roubles. À moins d'hériter avant deux jours d'un parent inconnu. Allons, cessez de boire. Et écoutez-moi. Il n'y a que des imbéciles qui meurent pour 50 000 roubles. Vous n'êtes pas un imbécile. Ah si, je suis un imbécile. J'ai été sur quatre fronts. Je me suis battu deux ans jour et nuit. J'ai été blessé je ne sais pas combien de fois. J'en ai réchappé. Et là, en deux minutes, cette brute m'a tué. Allez, allez. Vous n'êtes pas encore mort. Tenez, je connais quelqu'un. Un type ignoble, évidemment. Il vous fera payer plusieurs fois la somme en intérêt, mais vous gagnerez du temps. Je vous remercie. Mais à quoi bon gagner du temps? Je ne pourrai jamais rembourser. Je n'ai que ma solde. Et puis vous savez, la vie... Natalia Alexandrovna. Soyez la bienvenue. Merci, Piotr Petrovitch. Natasha, voyez tous ces champs, toutes ces terres, toutes ces forêts, tout cela est à vous. On appellera ça le domaine de Natasha. Ça, c'est une idée de Lyokov. Salut, Piotr Petrovitch. Salut. Fedor Ivanovitch, mon meilleur ami. Natalia Alexandrovna, ma fiancée. La plus belle de toute la Russie. Eh bien, je ne regrette plus de t'avoir vendu ma propriété, Piotr Petrovitch. Tu auras toujours de la chance. En affaires, en amour, et même au jeu. Tu as raflé hier toute une table au cercle. Moi-même, j'ai perdu 13 000 roubles. Au cercle? Vous ne m'aviez pas dit. Non, mais c'est rien du tout. Comment rien? Plus de 100 000 roubles que tu as gagné. Moitié à la table, moitié à un officier. Oui, mais il ne t'a pas payé, l'officier, hein? Mauvaise affaire, ça. Là, tu n'as pas eu de chance. Un officier? Oui, de l'état-major, Ignatov, ou quelque chose comme ça. Mais, excusez-moi, je suis très pressé. Voici l'acte de vente. Je vous félicite, Natalia Alexandrovna. Maintenant, vous êtes chez vous. Au revoir. Ah. Salut. Petrovitch, il faut que vous envoyiez à cet officier une lettre reconnaissant que vous avez été payé. Que j'envoie une lettre à cet officier? Pourquoi?
Pourquoi? Vous voulez pousser au désespoir ce pauvre officier qui revient du front? Il s'est battu pour vous défendre pendant que vous gagnez de l'argent, et maintenant vous le déshonorez? C'est une honte, c'est un crime. Ma petite reine, ne vous fâchez pas, ne vous mettez pas en colère contre Brioukov, mais je ne pensais pas à tout ça. Vous me dites que c'est un crime, une honte, c'est que c'est la vérité. J'enverrai un reçu à cet officier, l'affaire sera terminée. Je savais bien que vous n'étiez pas capable d'une mauvaise action. Ce petit officier, moi, ne me revient pas. Encore 36 heures. La plus jolie fiancée de Moscou, Natashenka, ma petite chérie. Il faudra faire un pli, voyez-vous. Reprendre, là. Oui, madame. Dans 4 jours, l'église. Vous en avez encore pour longtemps. Je suis fatiguée. C'est plus longue, la traîne. Comme ceci, regardez. Mademoiselle, un officier demande à vous parler. Il dit que c'est urgent. Natasha! 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 Capitaine! Natasha, j'ai voulu vous voir encore une fois. J'ai essayé de vous écrire, mais ce n'est pas facile. Natashenka! Natashenka! Tout de suite! 2 minutes. Natashenka, première impatiente. Venez ce soir au bal du Palais de la Noblesse. Au bal, moi? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Si, venez sans faute. Mais pourquoi? Je vous en supplie. Natasha, veux-tu remonter immédiatement? Je viens. À ce soir. Capitaine Ignatov. Excellence. On m'a raconté l'histoire du cercle. Je ne vous ferai pas de morale. Je vous donne 24 heures pour vous acquitter. À vos ordres, Excellence. Si vous ne pouvez pas payer, j'espère que vous vous conduirez en officier qui respecte son uniforme. C'est bien ainsi que je l'entends, Excellence. Personnages avec qui vous dansiez tout à l'heure. Deux, grâce à moi, sont des hommes à nous. Le sous-gouverneur de Moscou? Non, vous ne voudriez pas tout de même. Mais les deux autres. Bravo. Et que font vos gens? L'un est haut fonctionnaire au chemin de fer. Et l'autre? C'est... le directeur de la prison centrale. Ah ah. Vous pensez que ça peut avoir un intérêt? On ne sait jamais. Vous avez raison. On ne sait jamais. Mesdames, messieurs, une sérénade napolitaine au profit de la Croix-Rouge, 500 roubles. 5 000. Brioukov, je crois. Lui-même.
Natacha, vous avez pour fiancé un homme connu. De nuit d'amour, du soir jusqu'au jour, soprano, chacun doit te saisir, saisir, oubliant demain, on étreint demain, on échange ardemment des serments. C'est un bal déclaré, rêves enchantés, le même se découle au fond la plombe, sans voir le danger, des mots échangés, pâles, fiévreux et grisés. On en arrive au baiser. Une nuit d'amour, du soir jusqu'au jour, soprano, chacun doit te saisir, désir, unissons nos mains, oublions demain. Notre cœur se promet. Dans quelques jours. Je sais. Il faut que je vous dise. Je vous dois la vérité. Dès le premier jour où je vous ai vu, avant vous, vous étiez encore dans le délire. J'ai senti que... Mais il était déjà trop tard. Trop tard, je sais. Vous me comprenez? Oui. Mais vous allez vous marier. Vous m'oublierez. Tandis que moi... Moi, dès que je vous ai vu, plus rien d'autre n'a existé. En un moment, vous êtes devenu tout ce que j'avais dans la vie. Mais comme vous dites, il est trop tard. Alors, je suis venu ce matin chez vous pour vous voir une dernière fois. La dernière fois. Pourquoi dites-vous la dernière fois? Parce que je n'ai pas de chance. Venez. Venez immédiatement. Non. Je vous ordonne de me suivre immédiatement. Monsieur, assez! Monsieur, je ne vous permets pas de... Assez! Je ne suis qu'un marchand, mais moi, mes livres sont tenus honnêtement. Monsieur, et je paye mes dettes! Qu'est-ce que c'est? Monsieur Bryukov? Qu'y a-t-il, Natacha? Il n'y a rien. Et j'ai l'habitude de régler mes comptes. Et je vais m'occuper du vôtre.
mon oncle. Permets-moi de te présenter le capitaine Ignatov. Enchanté, capitaine. À demain, capitaine. Oui. À demain. Qu'est-il passé, mon petit? Excusez-moi de vous enlever à vos amis. Je suis ravi de vous rencontrer, capitaine. Vous pouvez me rendre un immense service. Vous savez que je ne demande pas mieux. Vous m'aviez parlé d'un usurier, vous vous souvenez? Je me souviens. J'ai besoin d'argent. À n'importe quelle condition et le plus vite possible. Venez demain matin chez moi, je le convoquerai. Demain matin, avant le bureau, c'est possible? Oui, si c'est urgent. Oh, vous êtes une femme admirable. Je ne sais comment vous remercier. Ne cherchez pas. Et dormez tranquille. Merci. Il est à nous. Je vous demande pardon, mon colonel. Oh, ça ne fait rien, mon ami. J'arrive du bal. Malef est là. Oui, mon colonel, Malef est là. Allô, capitaine Malef, au bureau du colonel. Rien de nouveau? Les opérations continuent, mon colonel. Il y a eu des perquisitions, je crois que nous avançons. Alors tant mieux. Nous les tenons, mon colonel. Nous avons trouvé leur boîte aux lettres. Qu'est-ce que c'était? Voilà, mon colonel. C'était un mendiant, un sourd-muet. On lui jette une pièce en passant. La pièce est marquée. Un très joli chiffre. C'est pas bête. Vous avez le mendiant? Pas encore, mon colonel. Nous avons perquisitionné en son absence. Mais nous l'aurons demain, lui et les autres. On ne le rate pas, hein? Mais vous n'aurez pas dormi du tout, capitaine. Je dormirai la nuit prochaine. Quelle heure? 8h15. Oh, je m'en vais. Je rentrerai dans la soirée, hein? Au revoir. Au revoir, mon capitaine. Le capitaine est encore parti. Ça fait 3 fois que je le manque. J'ai pas le droit de garder une lettre recommandée plus de 3 jours. Je vais la rendre au bureau. Le capitaine ira la chercher lui-même. Il sera pas content. C'est peut-être pressé. Donne-la-moi. C'est pas régulier. Bon, j'ai déjà signé pour lui, pour des paquets. Alors, tiens. Mais tu me promets qu'il n'y aura pas d'histoire. On t'en fait d'en bord. Là. Au revoir. Au revoir. Entrez. Je m'excuse de vous déranger si tôt, madame. Mais je vous attendais. Je vous donne du mal. Mais non. Ce monsieur dont vous m'avez parlé n'est pas encore là? Il ne viendra pas. Il ne viendra pas? Ne vous désolez pas. Nous n'avons pas besoin de lui. Comment pas besoin de lui? Écoutez, madame, vous êtes très bonne avec moi, mais vous ne paraissez pas vous rendre compte de la gravité de ma situation. Prends très bien compte. Asseyez-vous.
Voici l'argent. Vous voyez, nous n'avons besoin de personne. Nous arrangerons très bien sans intermédiaire. Et surtout sans témoin. Quoi? C'est un cadeau? Est-ce que par hasard vous me prendriez pour... Ne soyez pas stupide, voulez-vous, capitaine? Je me trouve suffisamment séduisante pour ne pas offrir d'argent, même à un homme dont je serais folle. Il s'agit d'autre chose. De toute autre chose. Prenez une cigarette. Écoutez-moi. Ceci n'est pas un cadeau. Je vous rends un service. Vous me rendez un autre et nous serons quittes. Un service? Pas grand-chose. Voulez-vous un bonbon? Merci. Il me faut les copies des bordereaux concernant le mouvement du matériel. J'ai dit les copies, pas les originaux. Réfléchissez. Vous serez sauvés. Vous ne me devrez rien. Et personne ne le saura que vous et moi. Allô? Allô? Capitaine! Pas de fatigage! Voulez-vous me donner le bureau de... Vous êtes Anna Steinbach, dit Anna Sablin? Je suis Anna Sablin. Je vous arrête. Toi! Oui? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais précisément averti. Je suis désolé. L'ordre d'arrestation concerne toutes les personnes que je trouverai ici. Capitaine Ignatov, je vous arrête. Capitaine, veuillez me remettre votre épée. Je déclare ouverte l'audience de la cour martiale du gouvernement militaire de Moscou. Affaire Ignatov. Vos noms et prénoms? Georges Alexandrovitch Ignatov. Âge? 32 ans. Qualité? Capitaine au 2e régiment d'artillerie de campagne, commandant la 4e batterie. 5 fois blessé. Détaché à l'état-major de Moscou. Croix de Saint-Georges, de Saint-Valdemar et de Sainte-Anne. Je vous remercie. Capitaine Ignatov, vous êtes accusé de trahison. Vous reconnaissez-vous coupable? Non! Vous pouvez vous asseoir. La parole est à monsieur le commissaire du gouvernement. L'accusation est basée sur 3 points capitaux. Il a été prouvé que l'espionne Anna Steinbach, dite Anna Sablin, avait acheté les services du lieutenant Petrovski, assassiné au moment où il allait être arrêté. Il est prouvé que l'inculpé entretenait avec Anna Sablin des relations suivies. Enfin, pendant l'entretien au cours duquel Anna Steinbach et l'inculpé ont été arrêtés, une somme de 60 000 roubles en billets de banque se trouvait sur la table. Il apparaît qu'après la mort du lieutenant Petrovski, son successeur, le capitaine Ignatov, continuait à renseigner l'espion Steinbach. C'est faux! Vous n'avez pas la parole! Je défends ma tête! Vous répondrez tout à l'heure à l'accusation. Et l'accusé ne peut pas nier avoir été en relation avec Anna Steinbach. Je l'ai vue à l'état-major, quand elle est venue déposer. C'est tout? Je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois. Elle m'a proposé de me faire prêter par un usurier la somme que j'avais perdue au cercle. Et vous la connaissiez à peine? Oui. Cette sollicitude ne vous a pas paru anormale? Si, un peu. Mais vous avez admis le principe du prêt. Ce n'est pas Anna Sablin qui devait me prêter cet argent. Je répète qu'elle devait me présenter un usurier. À 8 heures du matin. Le général Molokov m'avait donné 24 heures pour m'acquitter. Bon. Vous êtes arrivé à l'hôtel national. Que s'est-il passé? Anna Sablin m'a dit que l'homme ne viendrait pas. Mais elle m'a offert la somme. Elle a mis les billets sur la table. Et elle m'a révélé ce qu'elle attendait de moi en échange de ce service. Oui. Des renseignements sur les mouvements de nos troupes. Du matériel militaire. Qu'avez-vous fait? Eh bien,
J'allais téléphoner au contre-espionnage. C'est exact, vous étiez en train de téléphoner quand vous avez été arrêté. Mais rien ne nous prouve que ce soit au contre-espionnage. Ce serait une bien grande coïncidence. Je dis la vérité. Prouvez-le. Je n'ai que ma parole. C'est insuffisant. Vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je ne vous insulte pas. Je vous demande autre chose que des affirmations gratuites. Je vous défends. Capitaine Ignatov, je vous rappelle au respect des magistrats militaires qui sont ici pour faire leur devoir. Monsieur le Président, je vous prie d'excuser l'inculpé. Il n'a pas cessé de protester de son innocence. Et l'accusation n'apporte aucune preuve contre lui. Pardon ? Les 60 000 roubles ? La somme n'a pas été touchée. Non seulement le capitaine Ignatov l'a refusé, mais encore il se préparait à dénoncer l'espionne quand les officiers sont entrés. C'est une coïncidence, oui. Mais les coïncidences existent. Il ne suffit pas de les nier pour envoyer un homme au poteau d'exécution. Anna Steinbach n'a jamais reconnu que l'inculpé lui ait vendu ses services. Je demande une confrontation immédiate. La cour fait droit à votre demande. Qu'on fasse entrer Anna Steinbach. À vos ordres, Excellence. Jamais aucune relation d'un caractère intime, vous me comprenez, n'a existé entre vous et l'espionne Anna Steinbach. Jamais. Vous affirmez n'avoir jamais fourni de renseignements à l'espionne Steinbach. Je suis un soldat. Un secret qui se rapporte aux opérations militaires, mais plus sacré que ma vie. Eh bien, la femme Steinbach. Excellence. Eh bien. Évadée. Quoi? On l'a fait évader. Oui, quand la voiture du conseil de guerre est venue à la prison pour la chercher, la femme Steinbach n'y était plus. Une demi-heure plus tôt, une autre voiture était venue. Des complices à elle. Même voiture, mêmes uniformes, pièces en règle. Le directeur de la prison a été trompé. Vous me ferez votre rapport pendant la suspension de séance. À vos ordres, Excellence. Veuillez continuer. Vous affirmez aussi n'avoir reçu aucune somme d'argent de la femme Steinbach. Je l'affirme. Bien. Avez-vous une fortune personnelle? Non, je n'ai que ma solde. Aucun autre revenu? Aucun. Mais comment expliquez-vous que vous ayez payé votre dette de jeu? Quoi? Je ne l'ai pas payé. Vous n'avez pas payé les 54 000 roubles que vous deviez au marchand Bryukov? Non! Monsieur le Président, voulez-vous me permettre de faire état de la pièce que nous avons trouvée au domicile de l'inculpé? Voyons, capitaine Ignatov. Le jour de votre arrestation, une lettre recommandée a été laissée chez vous sur signature de votre ordonnance. Cette lettre contenait un reçu signé du marchand Bryukov pour une somme de 54 000 roubles, commandant. Qu'avez-vous à répondre? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Non, je ne comprends pas. Non! C'est un faux! C'est une infamie! Je n'ai jamais eu cet argent! Il y a là une erreur inexplicable. Je demande que Bryukov soit entendu. Convoquez le marchand Bryukov pour demain matin à 9h. À vos ordres, Excellence. L'audience est levée. Quelle est la plus belle femme du monde? Répondez à la ronde. C'était très grave. Alors je l'ai amenée. Elle est là. Oui. On va la chercher. Allez. À la hoste.
Foutez-moi le camp. Allez, tous. Je suis sourd. Je bois. Je bois tout le temps à cause de vous. Je suis une pauvre bête, j'ai foutu. Plus maintenant, puisque vous êtes là. Asseyez-vous. Vous allez boire du champagne, il est bon, il est frais. Non, merci. Il faut boire. Vous êtes venu me voir. Vous êtes convoqué demain pour témoigner au procès du capitaine Ignatov. C'est votre déposition qui décidera de sa vie. Il faut que je sache ce que vous direz. Je veux le savoir. Ah, c'est pour lui que tu es venu. Deviens imbécile. Je croyais que c'est pour lui. Pour ton officier, ton capitaine Ignatov. Tu peux lui dire adieu. Venez. Au poteau! On tire. Plus de capitaine. Il est mort. Il est mort. Tu as compris? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ayez pitié. Écoutez-moi. Sauvez-le, je ferai ce que vous voudrez. Ordonnez. Je serai votre femme si vous voulez. Ma femme? Tu seras ma femme? Qui aimes-tu? Qui aimes-tu? Lui. Il est mort! Fous le camp! Et tu pourras le pleurer toute cette nuit! Il est mort! Je jure devant Dieu Tout-Puissant. Je jure devant Dieu Tout-Puissant. Et sur la Sainte Croix. Et sur la Sainte Croix. De dire toute la vérité. De dire toute la vérité. Rien que la vérité sur l'affaire Ignatov. Rien que la vérité sur l'affaire Ignatov. Ne me laissant influencer. Ni par la parenté. Me laissant influencer ni par la parenté. Ni par l'amitié. Ni par l'amitié. En foi de quoi j'embrasse le Saint Crucifix. En foi de quoi j'embrasse le Saint Crucifix.
N'oubliez pas de vous déposer devant la cour martiale et que vos paroles peuvent avoir des conséquences graves. J'ai embrassé la Sainte Croix. Le 14 juin, vous vous trouviez au cercle des marchands. Vous avez gagné 54 000 roubles au capitaine Ignatov. C'est exact. 54 000 roubles exactement. Sursis. Eh bien, de votre main. Oui, monsieur le président. C'est bien vous qui avez rédigé, signé et envoyé sursis au capitaine Ignatov. Oui, c'est bien moi. La preuve est faite. Il reste une question à poser. Voyons. La réponse décidera de la vie de l'inculpé. Le témoin a-t-il effectivement reçu les 54 000 roubles? Reçu? Oui, Brioukov. Vous avez signé un reçu, c'est entendu. Mais avez-vous été payé? Messieurs les juges, cet homme m'a tout pris! Tout ce que j'avais de plus cher au monde! Plus que l'argent, plus que la vie! Je le hais! Je te maudis! Tu entends? Je sais, je sais! Et je n'espère pas! Ah, silence! Brioukov, avez-vous reçu l'argent, oui ou non? Avez-vous reçu l'argent, oui ou non? J'ai juré sur la Sainte Croix. Je n'ai pas reçu l'argent. Alors, pourquoi avez-vous envoyé le reçu? On m'avait demandé de le faire. Pour que je ne commette pas une mauvaise action. Tu sais, il y a des moments où j'ai cru que tout était perdu. C'était fini. Fini. Tu te rappelles à l'hôpital, après ton délire, ton réveil? Oui, je me rappelle. Ferme les yeux. Tout ce qui est arrivé ne compte plus. C'était un cauchemar. Et maintenant, ouvre les yeux. La vie commence. Nous sommes tous les deux.